Bienvenue dans ce 8e DVD de notre série musicclassroom.com qui est entièrement consacré au piano. Le piano moderne tel que nous le connaissons aujourd'hui est le résultat d'une longue et lente évolution au travers des siècles qui a permis de nombreuses améliorations au niveau technique notamment et mécanique. Nous ferons donc une brève incursion dans ce DVD en guise d'introduction au niveau de l'historique de l'instrument et de sa mécanique. Tout instrumentiste, quel qu'il soit, devrait pratiquer cet instrument, étant donné qu'il possède les qualités à la fois harmoniques, c'est-à-dire polyphoniques, mélodiques, rythmiques et bien sûr percussives. Que ce soit les doigts, les poignets, les bras, les épaules, le dos ou l'assise, tout dans le piano n'est qu'une question de position. L'assise face à un piano se fait au bord du tabouret et non à l'arrière ou au fond d'une chaise. Le dos est bien droit, les épaules basses décontractées. Quant à la position de la main sur le clavier, ce sera celle du bras détendu le long du corps que l'on pose simplement décontracté sur le clavier. On le remarque ici, le poignet est plat ainsi que la paume de la main et les doigts légèrement arrondis. Ce poignet n'est ni creusé ni bombé, mais bien plat. Et décontracté, alors que les doigts, eux, doivent rester fermes. Le contact des doigts sur le clavier se fait par le bout des doigts, ici, là, ni sur les phalanges, ni sur les ongles, mais bien le bout des doigts. Donc on récapitule, assise au bord du tabouret, dos bien droit, épaules basses décontractées et position de la main, celle donc de la position du bras relâché que l'on pose simplement sur le clavier. Le piano possède une âme sensible. Abordons-le avec délicatesse et doigté. Au piano, on utilise les deux mains et les cinq doigts de chaque main. Afin de surmonter quelques difficultés techniques, on associe un petit chiffre à chacun des doigts. Ce doigté, ainsi appelé, est immuable. Le pouce porte toujours le chiffre 1. L'index, le 2, le majeur, le 3, l'annulaire le 4 et l'auriculaire le 5. Même chose pour la main gauche. 1, 2, 3, 4 et 5. Ce doigté se place au-dessus ou au-dessous des notes et indique ainsi le numéro de doigt qui doit être utilisé pour chacune des notes. Tout de noir et blanc vêtu, le clavier n'attend plus que son maître pour le faire rêver tout en couleur. On le voit ici, un clavier est constitué de touches blanches et de touches noires. Les touches blanches paraissent régulières, alors que les touches noires sont en alternance par groupe de 3 et de 2. 3, 2. Les sept notes de la gamme diatonique se retrouvent sur le clavier, ainsi Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. La note Do est située juste avant le groupe de 2, c'est-à-dire ici. Nous avons ainsi Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si,
et d'eau. Ces touches blanches, encore dites bécard, sont les notes naturelles de la gamme diatonique. Les touches noires vont représenter, en général, les notes altérées, c'est-à-dire les dièses, les bémols, voire les doubles dièses et les doubles bémols. Nous avons ainsi la gamme Do, Do dièse ou Ré bémol, Ré, Ré dièse ou Mi bémol, Mi, Fa, Fa dièse ou Sol bémol, Sol, Sol dièse ou La bémol, La, La dièse ou Si bémol, Si et Do. Ces 12 demi-tons égaux forment donc ce qu'on appelle une octave de Do à Do. Un clavier est donc constitué de 7 octaves comme celle-ci, plus 3 notes. Le clavier moderne est donc composé de 88 notes. Sur une ou deux portées, décorées de clés de sol ou de fa, l'écriture pianistique prend forme. Le piano s'écrit en général sur deux portées. La portée du haut, en clé de sol, est réservée à la main droite. La portée du bas, en clé de fa, à la main gauche. Ces deux portées sont reliées par une accolade et par des barres de mesure qui traversent les deux portées. L'ensemble de ces deux portées est appelé système. Ce système se reproduira aussi longtemps que durera le morceau. Lorsque la pièce musicale se situe dans des registres médium voire aigus, nous pouvons avoir deux clés de sol pour représenter les deux mains. Lorsqu'au contraire, elle se situe dans des registres graves, nous pourrions avoir deux clés de fa pour représenter les deux mains. Dans l'ordre, nous avons une accolade ici, qui est reproduite à chaque système. L'indication des clés, qui est elle aussi reproduite sur chaque mesure de chaque système. L'indication des altérations à la clé ou l'armature de la clé, qui indique la tonalité générale du morceau, qui est elle aussi reproduite à chaque portée de chaque système, et enfin l'indication de mesure, ici 4 temps, qui elle par contre n'est indiquée qu'au début du premier système. Si ce cours vous intéresse, alors poursuivez-le et commandez dès à présent l'ouvrage complet et son DVD sur la page boutique de notre site internet www.musicclassroom.com, chez vous sous 48 heures en port gratuit.